Digital Social Innovation, qui est un projet collaboratif européen qui permet en fait de récolter déjà des informations sur tous les réseaux qui se mettent en place au niveau de l'innovation sociale. Donc, qu'est-ce qu'on entend par innovation sociale? C'est principalement les structures de type Fab Lab, ce qui est du hardware, mais aussi toutes les plateformes citoyennes, les plateformes de e-démocratie, les plateformes de monnaie virtuelle, les structures de débat. Donc ça, c'est l'aspect qui nous intéresse le plus à l'IRI, parce que je travaille essentiellement sur des technologies collaboratives, des technologies pour le débat, pour la participation citoyenne, pour la critique et l'annotation de documents, qu'ils soient des documents textuels, des documents vidéo, des photos, etc. Donc c'est vraiment notre travail quotidien à l'IRI de développer ces technologies-là. Le cas concret sur lequel on a intervenu à travailler, le premier, c'était celui du mobilier urbain intelligent. Et la réflexion était de se dire, ils sont tentés justement d'aller découvrir des possibles, et de se dire qu'il y a probablement mille choses qu'on n'imagine pas, avec un vent, avec un de la mer, un mobilier qui va vous permettre de vivre différemment l'expérience de la ville. C'est des expériences assez inoubliables de voir un guide essayer d'expliquer à un agent de la ville que dans un panneau de cours, on va aller installer des systèmes de réseaux sociaux qu'on va pouvoir dialoguer au travers d'un. Un intrigue voyageur avec le commerce qui est adapté. C'est tout ce programme d'expérimentation qui nous préoccupe et sur lequel on a voulu travailler, non pas pour l'expérimentation en tant que telle, parce qu'elle se passe déjà très bien dans de nombreux territoires, mais c'est cet effort de transformation qui suppose l'implication d'un très grand nombre d'acteurs et une chaîne de décision, de provocation, de sensibilisation. Notre boutique qui a pour mission de vendre les produits de jeunes startups et de pouvoir leur donner les commentaires des clients qui sont passés dans la boutique et leur analyse pour qu'ils puissent améliorer ces produits. Donc aujourd'hui, on accompagne une trentaine de startups dont on vend les produits et on leur permet aussi de se mettre en relation avec des distributeurs et des fournisseurs en Mayenne et des experts du marketing pour toujours améliorer leur packaging, leur prix, leur positionnement. On veut vraiment être la maison de l'innovation. Donc on propose aussi un espace de coworking, néo-work, pour que les gens qui ont des idées puissent se rassembler, collaborer et créer de nouveaux projets. On a aussi un Fab Lab avec notamment une imprimante 3D pour que justement ces gens qui ont des nouveaux projets puissent créer des prototypes et les tester dans notre boutique. Donc voilà, NeoShop, c'est vraiment tout le cycle de l'innovation, de la création à sa commercialisation. On a une problématique d'accès à la technologie. On a une problématique en tout cas de démocratisation. On connaît bien le numérique pour une fois parce que prototyper une application, c'est absolument rien, à part le temps. Prototyper une biotechnologie, c'est pas le cas. Donc il fallait commencer à créer des outils de base, une connaissance des outils sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour créer. Voilà. D'où l'idée de l'open source, de créer un socle commun qui allait pouvoir en fait, faire émerger de nouvelles idées plus facilement, moins cher et plus rapidement. Amener le prototypage rapide vers les technologies. Donner un vrai sens, une vraie ambition justement à ce renouveau du laboratoire hein, qui allait pouvoir je pense, donner une opportunité à tout porteur de projet qu'il soit étudiant, entrepreneur, plus ou moins senior, et pouvoir se reposer la question de comment il pouvait embrasser la technologie et la développer au sein de la communauté et en réponse à la problématique locale.